Mystère, mystère. Pierre Billard a choisi pour vous ce soir L'autre bout du fil, un film radiophonique de Louis C. Thomas. Vous avez bien compris, mon petit, hein? Vous passez chez un blot, et alors, selon sa réponse, vous acceptez ou non la proposition de Lenoir. J'ai compris, monsieur. N'oubliez surtout pas de téléphoner à l'atelier, hein? Non, tout est noté. Bon. Alors, vous voulez décidément rien prendre? Si je veux être à Paris avant 3 heures, il est temps que je parte. Même pas un café, un rafraîchissement? Non, je vous remercie, monsieur. C'est moi qui vous remercie, ma petite Annie, d'être venue jusqu'ici. C'était la moindre des choses. D'ailleurs, ça m'a fait une promenade à la campagne. Elle est encore si belle en septembre. N'est-ce pas? Mais malheureusement, nous n'allons pas tarder à rentrer, nous aussi. La vie parisienne manque terriblement à ma femme. Tiens, un instant, je l'appelle. Hélène! Oui? Inutile de la déranger. Mais si, elle va vous dire au revoir. Hélène, Annie s'en va. Vous avez bien travaillé? Oh, je ne vais pas laisser respirer une seconde, la pauvre. Monsieur Champlan exagère. Vous ne voulez pas boire quelque chose? Ben, je lui ai déjà proposé et elle est pressée de rentrer à Paris. Ah, comme je vous comprends. Monsieur Champlan a eu l'obligeance de me donner congé pour l'après-midi. Je vais en profiter pour faire quelques courses. Alors sauvez-vous vite. Au revoir, monsieur. Je vous téléphone demain matin. Au revoir, Annie. Au revoir, madame. Au revoir. Amusez-vous bien. C'est une brave fille. Tu as de la chance d'être tombée sur une secrétaire comme ça. Les jeunes d'aujourd'hui, d'habitude... Tiens, je vais m'offrir un petit cognac, moi. J'ai bien mérité, on a travaillé comme des anges. Tu veux pas un canard? Non, j'ai pas envie. Faut reconnaître aussi que, ici, le rendement est double. Quelle tranquillité. Tu entends? Quel calme. Ah, pour être calme, c'est calme. Qu'est-ce que tu as? Tu boudes? Je ne boude pas. Je m'ennuie. Tu as hâte de rentrer à Paris, n'est-ce pas? Est-ce ma faute si je n'aime pas la campagne? Mais il est pourtant splendide dans cette saison. Veux-tu qu'on aille faire un tour? Pour rentrer et tout crotter? Ah non, merci bien. Mais fais un effort, ne serait-ce que pour respirer l'air pur. Un air pur qui sent la bouse de vache. Et c'est plus sain que les vapeurs d'essence. On vient ici par hygiène, d'accord. Mais quant à venir par plaisir... Oui, encore toi, tu as la pêche. Allez, écoute, Hélène. Si ça t'ennuie tant que ça, eh ben, rentrons à Paris. Et puis tu vas me faire un infarctus, et puis j'ai du remords toute ma vie, non? Tiens, quelqu'un vient par ici. Qui ça? Un homme avec une barbe et des lunettes noires. Connais pas. En tout cas, il vient par ici. Eh ben, un promeneur qui se trompe. Un promeneur qui montrait le perron. Non, je te dis que c'est une visite. Eh bien, voilà qui va te désennuyer. Qui ça peut bien être? Je sais pas, quelqu'un qui se renseigne. Un voyageur de commerce. Avant-hier, Simone me disait qu'il en passe tous les jours chez elle. Oh, si c'est un représentant, je l'expédie en moins de 2. J'aime pas les gens qui forcent les portes. Vous désirez, monsieur? Monsieur Champlan, s'il vous plaît. C'est moi? Henri Champlan? Oui, c'est moi. Pas un geste, pas un cri, je tire. Qu'est-ce qui vous prend? Laissez-moi entrer. Fermez la porte. Non, mais... qu'est-ce que vous venez chercher? Fermez la porte! Si c'est de l'argent, vous tombez mal.
De quoi s'agit-il? Est-ce que... Ne t'affole pas, ma chérie. Il y a certainement un malentendu, n'aie pas peur. Votre mari a raison, madame, vous n'avez rien à craindre. Mais alors pourquoi ce pistolet? Je n'ai pas l'intention de m'en servir. Si vous êtes raisonnable. Vous saisissez, monsieur Champlan? Pas encore. J'attends vos explications. Vous tenez à rester ici, debout, dans le vestibule. Ben, vous imaginez peut-être que je vais vous offrir l'apéritif? Ouh, je n'aime pas votre ton, Champlan. J'ai le temps qui me plaît. Henri, je t'en prie. On peut aller dans le living, monsieur. Va pour le living. Pas cette fois. Tous les deux. Asseyez-vous. Vous aussi, Champlan? Je préfère rester debout. Et moi, je préfère vous voir assis. Bon, bon. J'espère que vous vous rendez bien compte de la situation. On est tous les trois dans votre propriété comme dans une île déserte. Un coup de feu ne serait même pas entendu par vos voisins les plus proches. S'ils vous prenaient la fantaisie de ruer dans les brancards, je n'hésiterais pas à tirer. Venons-en en fait. Vous avez de l'argent, je n'en ai pas. C'est tout. Si c'est à mon portefeuille que vous en avez... Soyons sérieux, monsieur Champlan. Les quelques malheureux billets contenus dans votre portefeuille ne m'intéressent pas. Mais prenez aussi mes bijoux et allez-vous-en. Non, je ne suis pas venu demander l'aumône. Avec votre portefeuille et vos bijoux, vous êtes loin du compte. Et votre compte, c'est 300 000 francs. Lourd, bien entendu. 30 millions? Pas un sou de plus, pas un sou de moins. 300 000, mais où voulez-vous que je les prenne? Je comprends que, sur le moment, ça vous donne un choc. Mais vous avez le temps de vous remettre. Voyons, voyons, un peu de bon sens, on n'entend pas comme ça chez les gens. Je ne suis pas entré comme ça. Je sais que vous êtes propriétaire d'une chaîne de snack. Comme vous y allez, j'en ai 5. 7. Oui, mais de là à parler d'une chaîne... C'est largement suffisant pour disposer de 300 000 francs. Monsieur, si vous permettez... Je vous en prie, madame. Il me semble que... Je ne sais pas comment dire cela. J'ai l'impression que vos manières, votre langage ne sont ni les manières, ni un langage de... De truand. Oui. En quelque sorte, vous voulez dire que je n'ai rien d'un professionnel. Ne le prenez pas mal. En effet, je ne suis pas un professionnel. Mais ne vous y fiez pas. C'est la première fois que je tente une chose pareille. La première et la dernière, ma situation ne me laisse pas le choix. Chacun a ses problèmes, c'est pas une raison. Je vous dis cela afin que vous ne vous fassiez aucune illusion. Pour moi, c'est le succès ou une balle dans la tête. Je suis condamné à réussir, à n'importe quel prix. On peut s'arranger à l'amiable. Je suis là pour ça. Votre situation n'est peut-être pas aussi désespérée que vous le figurez. Ne vous fatiguez pas, les bonnes paroles, gardez-les pour d'autres. Je suis venu chercher de l'argent et je ne partirai pas d'ici sans avoir les 300 000 francs en poche. En poche? Ah bon, je vois, vous imaginez que j'ai tout mon argent ici? Qu'il y a un coffre dissimulé dans le sous-sol ou enterré au fond du jardin? Mon pauvre ami, vous trompez de siècle, on n'est plus au Moyen-Âge. Aujourd'hui, il y a les banques. Mm-hmm. C'est aussi aux banques que je pense. Ah bon? Vous désirez peut-être un chèque? Vous m'en signeriez un? Au porteur? De 300 000? Ah, si vous l'exigez. Là, tout de suite? Ben, j'ai pas le choix, il me semble. Tu veux un stylo? J'ai le mien. Oui. 300 000, hein? Au porteur. Voilà. Merci. Vérifiez. Voilà ce que j'en fais de votre chèque. Des confettis. Et comment avez-vous pu croire que j'accepterais un chèque? Autant me constituer prisonnier dans le premier commissariat venu. Je vous aurais donné ma parole de ne pas intervenir avant que vous l'ayez touché. Ben voyons. Je suis toujours prêt à vous la donner. Et dès que j'ai le dos tourné, vous ameutez les populations. Mais puisque mon mari vous prenait... N'insistez pas, madame. Les 300 000 francs, c'est en argent liquide qu'il me les faut. En liquide ici à la campagne? Mais comment voulez-vous que je me les procure? Vous l'avez dit vous-même. À votre banque. Vous n'êtes qu'à une heure de voiture de Paris. Un aller-retour sera vite fait. Naturellement, j'accompagne mon mari. Non, mais à la fin, pour qui me prenez-vous? Pour un débile mental? Oh, mais ne vous fâchez pas. Vous restez ici avec moi. On attendra votre mari ensemble. Ne comptez pas que je vais abandonner ma femme. Je vous la rendrai saine et sauve dès que vous aurez rapporté l'argent. Et si je refuse? Oh, dans votre intérêt comme dans le sien. Je ne vous le conseille pas. Vous ne me croyez pas? Je réfléchis. Mais, pas trop longtemps.
Le temps d'allumer cette cigarette. Alors, vous vous décidez? Henri, décide quelque chose. Non, 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 non. Ça ne tient pas debout. Vraiment? Ça ne tient pas debout parce que si vous nous tuez, vous n'aurez pas d'argent et vous vous trouverez avec deux cadavres sur le dos. Deux assassinats pour rien, vous serez bien avancé. Hein? Je ne vous tuerai que si vous m'y forcez. Pour le reste, j'ai d'autres moyens de persuasion. Cette cigarette, par exemple. Savez-vous, madame, savez-vous l'effet que fait une brûlure de cigarette sur la joue? Non, vous n'allez pas. Vous n'allez pas. Salaud, espèce de. Encore un pas et je vous colle une balle dans le ventre. Choisissez, madame. Joue droite ou joue gauche? Arrêtez! Arrêtez! Vous êtes d'accord? Oui. Merci pour elle. Une brûlure, ça fait mal. Plusieurs brûlures, ça fait encore plus mal. Et puis ça défigure. En somme, ce qu'il vous faut, c'est un otage. Vous avez dit le mot. J'ai une autre proposition à vous faire. Je vous écoute. C'est moi qui resterai avec vous pendant que ma femme ira chercher l'argent. Pas question. Pourquoi pas? Votre garantie est la même? Ah non. Non, pas pour toucher l'argent. On pourrait s'étonner qu'elle veuille une pareille somme en liquide. Que se présente la moindre difficulté, qu'elle se trouve. Il n'y aura pas de difficulté. Vous commencez à m'énerver, monsieur Champlan. C'est vous qui irez à Paris. C'est vous qui rapporterez l'argent. C'est de vous que dépendra la vie de votre femme, de votre réussite, de votre discrétion. Non, mais écoutez, si je m'engage. Le moment n'est plus à la discussion. Décidez-vous vite. Très vite. Henri, je crois qu'il vaut mieux accepter la proposition de monsieur. Bien. Quand dois-je partir? Tout de suite. C'est bon. Mais si par malheur, vous touchez à un de ses cheveux... Tant que vous serez régulier, votre femme n'aura rien à craindre. Maintenant, s'il vous prenait fantaisie d'avertir la police, je ne répondrai plus de rien. Je ne suis pas idiot. Prends patience, mon chéri. Je serai de retour en fin d'après-midi. Je t'en prie, Henri, sois prudent. Et faire le plus vite possible. Monsieur Champlan! Qu'est-ce qu'il y a encore? Pour le cas où vous auriez des tentations, je vous informe que lorsque vous serez de retour, nous repartirons d'ici ensemble, tous les trois dans votre voiture. Vous prendrez le volant et vous me conduirez à l'endroit que je vous indiquerai. J'espère qu'il n'y aura pas de barrage de police dans la région. C'est tout? C'est tout. Je m'en vais. Ne t'inquiète pas, Hélène, tout se passera bien. Ça y est, les millions sont à nous. Chut, il peut revenir. Pas de risque. Je le vois. Il sort la voiture. Te montre pas trop quand même. Cette fois, il est parti. Ouf. Ah. J'ai vu le moment où on n'en sortirait jamais. Ah, tu as été magnifique en gangster. Tu peux m'embrasser. Je l'ai bien gagné. Pas avant que tu n'aies ôté cette lunette noire et cette affreuse barbe. Oh. Tu peux, on a au moins 3 heures devant nous. Oui, tu as raison. Autant se mettre à l'aise. C'est fou ce que ça peut donner comme aplomb, une fausse barbe. Moi, je te préfère ça. Et moi, je te préfère n'importe comment. Mon chéri. Jacques. Jacques, mon chéri, mais qu'est-ce que tu as? Tu trembles. Oui, c'est la réaction. Je suis épuisé, moi. Fourbu comme si j'avais fourni un effort extraordinaire. Donne-moi quelque chose à boire, quelque chose de fort. Ah, tu l'as bien gagné aussi. Whisky, cognac? Cognac, oui, je veux bien. Un cognac bien tassé. En définitive, ça ne s'est pas si mal passé. Il a été plutôt long à la détente. Oh, tu n'aurais pas voulu qu'il accepte tout de suite. Même pour lui, 300 000 francs, c'est une petite fortune. Tiens, bois. Merci. C'est là où j'ai eu le plus le trac, c'est au coup de la cigarette. S'il m'avait fallu passer aux actes, hein, s'il ne m'avait pas arrêté,
J'aurais eu l'air malin. J'étais sûre qu'il ne m'aurait pas laissé brûler. Et s'il s'était jeté sur moi? À moins d'être fou, on ne se jette pas sur quelqu'un qui a un pistolet à la main. Et Henri est l'homme le plus raisonnable du monde. Oui, mais souhaitons qu'il ne raisonne pas trop à Paris. Mais de quoi as-tu peur? Il s'adresse à la police? C'est ce qui pourrait arriver de pire. Ouais, là-dessus, je suis tranquille. Chaque fois qu'un fait divers de ce genre s'est produit, il a toujours donné tort aux gens qui mettent la police dans le coup. Autant qu'il s'agit des autres. À plus forte raison quand il s'agit de moi. Avec tous les risques que je cours, à sa place, tu irais, toi? Moi, je t'aime. Je t'aime assez pour faire ce que j'ai fait. Tandis que lui... S'il ne m'aimait pas au point de me sacrifier 300 000 francs, je m'en serais rendu compte. Mais tu l'as toi-même reconnu. Même pour lui, 300 000 francs, c'est une petite fortune. Mais tu me sous-estimes. N'oublie pas qu'il croit tenir ma vie entre ses mains. Non, rassure-toi, je suis certaine de ce qu'il va faire. La preuve, c'est que nous sommes là, toi et moi. Encore un cognac? Merci, non. Alors, je tiens à rester lucide pour le deuxième acte. Ah, justement, parlons-en du deuxième acte. Tu as réellement l'intention de nous emmener, Henri et moi? Et sinon, comment éviter qu'il donne l'alerte avant que je sois en sûreté? Dès qu'il est de retour... Avec l'argent? Avec l'argent, bien entendu. On monte tous les trois en voiture, il conduit. À quelques kilomètres d'ici, j'ai repéré un petit chemin où il ne passe jamais personne. On stoppe, vous descendez et je repars avec la voiture. Tu vas nous obliger à rentrer à pied? Oh, bah, il faut ce qu'il faut. D'ailleurs, quand vous aurez rejoint la grande route, vous rencontrerez certainement quelqu'un. Pendant ce temps, moi, j'aurai gagné Arpajon. J'abandonne votre voiture pour sauter dans la mienne. Et avant que vous ayez alerté la gendarmerie, je serai à Paris. Ni vu ni connu. Si les flics recherchent un barbu à lunettes noires, ils pourront chercher longtemps. Tiens, à la réflexion. Donne-moi encore une petite goutte de cognac. Oh, bah, n'abuse pas. Une goutte, pas plus. Là. Voilà. Vois-tu, avant j'étais sûr du succès. Pendant et encore tout à l'heure, je me suis mis tout à coup à douter. Mais à présent, je suis certain que tout va bien marcher. 300 000 francs, c'est quelque chose. Hein? On peut en faire des projets avec 300 000 francs. Il y en a qui travaillent 30 ans pour les gagner. Et nous autres, hop, en 3 heures, 300 000. 300 000. Et dire que si tu avais quitté ton mari, comme je voulais que tu le fasses au début... Oh, j'étais bête. Bon Dieu, ce que j'étais bête. Il n'aurait même pas eu un centime. Tandis que là... Embrasse ton petit millionnaire, ma chérie. Écoute, Jack... Que tu veux pas m'embrasser? Mais bien sûr que si. Mais tu t'exhales. Tu te montes la tête. Tu sais très bien que je ne vais pas pouvoir quitter Henri tout de suite. Oh, bah évidemment. Faudra même rester un bout de temps sans nous voir. Tu dois bien te douter que la police... Qu'est-ce que c'est? Le téléphone. J'entends bien, mais qui téléphone? Est-ce que je sais? Ça n'est certainement pas la secrétaire qui vient de partir. Il ne manquerait plus que des amis annoncent leur visite. On n'attend personne. Les joyeuses surprises, ça existe? Ne répondons pas. Pour qu'ils débarquent sans crier gare? Alors, demande de la part de qui? Tu prétextes une erreur et tu raccroches. Ça me laissera le temps de la vider. Allô? Allô? Ici Henri Champlain. Champlain. Ah, c'est vous, monsieur Champlain. Vous n'allez pas me dire que vous appelez de Paris? Je vous appelle d'Arpajon. Je me suis arrêté pour prendre des nouvelles de ma femme. Elle va très bien, merci. Dès qu'elle m'aura donné elle-même de ses nouvelles, je repartirai pour Paris. Vous perdez un temps précieux. Je tiens absolument à lui parler. Rien de plus facile. C'est votre mari, madame. Allô? Henri? Allô? Je tenais à m'assurer que tout allait bien. Tout va bien. Tu n'as pas d'ennui? Aucun. Tout se déroule correctement. On attend ton retour avec impatience. Je vais me dépêcher. Ma chérie, un peu de courage, hein? Allez, repasse-moi de ton voisin, l'autre, là. Je suis là, monsieur Champlain. Je rappellerai de Paris dès que j'aurai l'argent. Excellente idée. Madame Champlain vous transmettra elle-même son bulletin de santé, c'est bien ça que vous voulez? Exactement. À bientôt. Et n'oubliez pas que pour elle,
Le meilleur des médicaments, c'est la discrétion. Allô? Allô? Il est raccroché. Il est inquiet, le pauvre homme. Hein? Qu'en penses-tu? J'aime mieux ça qu'une visite. Tu vois pas qu'il nous tombe quelqu'un à l'improviste? Si on sonne, tu ne bouges pas. Ils ne se mettront tout de même pas à camper dans le chemin. Oui, ça c'est vrai. Et pour le téléphone, on s'arrangera toujours. En tout cas, l'appel de ton mari est plutôt rassurant. Ça prouve qu'il ne prend pas mes menaces à la légère. Et plus il sera inquiet, plus il sera pressé de revenir avec l'argent. Et moins il sera tenté d'avertir la police. Au fait... Mais à propos de police, qu'est-ce que tu me disais? Quand? Ben juste avant le téléphone. Il faudra rester un bout de temps sans nous voir parce que la police... Ben oui, on va ouvrir une enquête. Ils vont fouiner partout. Il ne serait pas indiqué qu'ils apprennent que... Que toi et moi... Que j'ai une liaison, c'est ça que tu veux dire? Ben, comprends donc, ils n'ont rien à se mettre sous la dent. Pas le plus petit indice, ils vont s'accrocher à tout. Mais à ton avis, on va rester combien de temps sans se voir? Oh, tant que tout se tasse... 3 ou 4 mois. Tant que ça? Oh, mais tu ne me l'as jamais dit. Ça coulait de source. 4 mois? Que vas-tu faire pendant tout ce temps? Comme toi. Attendre. Tu me téléphoneras ou... Ah, bah, surtout pas. Enfin, quoi, je vais pas rester 4 mois sans savoir si tu existes, si tu es vivant ou mort. Alors, toi, tu pourras téléphoner. Jamais de chez toi. Toujours d'une cabine publique et jamais de la même cabine. Et sans prononcer de nom ni de paroles compromettantes. Oh, ça va être gai. 4 mois, c'est long. Oh, j'ai dit 3 ou 4. Et puis ça ne sera peut-être que 2. Peut-être 1. On verra comment tourne le vent. Et puis ma chérie, tu dis que c'est long, mais qu'est-ce que c'est comparé à toute ta vie? Dans 2 mois, on se revoit. Dans 6, tu quittes ton mari et on file en Espagne. Là-bas, avec 300 000 francs, on est riche. Il y a des affaires d'or à faire avec le tourisme. Tiens, sur la Costa Brava, par exemple. Reviens sur Terre, Jacques. Oh, toi, tu ne sais pas rêver. Je n'ai pas besoin de rêver. La réalité me suffit. Mais ma réalité, c'est toi. Moi, et 300 000 francs. Là, tu deviens méchant. Non, je plaisante, voyons. Tu sais bien que je t'aime. Tu dis ça comme si tu disais bonjour. Je t'aime, ma chérie. Je t'aime. Je t'aime, je t'aime. C'est bien vrai. Je t'adore. Alors prouve-le-moi. C'est lui. J'y vais. S'il appelle, c'est qu'il a l'argent. Tais-toi. Allô? Allô? Ici Champlain. Oui, je vous entends. D'où m'appelez-vous? De chez moi. Vous êtes seul? Tout seul dans mon bureau. Passez-moi ma femme. Ne quittez pas. Allô? Tu as l'argent? Comment vas-tu? Un peu las, je trouve le temps long. Ça va plus durer. Passe-moi l'autre. Oui, l'autre vous écoute. Je l'ai sous la main, 150 000 francs. Je peux vous les apporter tout de suite. On est loin du compte. Les autres 150 seront plus difficiles à réunir. Et ne suffisait-il donc pas de présenter un chèque? Mais je viens malheureusement d'apprendre que je suis à découvert. C'est fort regrettable. Ne te laisse pas voir. Fort regrettable pour Madame Champlain. Je pourrais éventuellement atteindre 200 000 francs. Bon, écoutez, on n'est pas aux puces. Hein. Je n'ai pas l'intention de marchander. Mais comprenez-moi. Pour obtenir le reste, il me faudra faire certaines opérations bancaires. Elles nécessiteront au moins 24 heures. Et si vous acceptez 200 000, tout sera terminé dans une heure. Malgré toute ma bonne volonté, je ne peux pas faire mieux. Écoutez, monsieur Champlain. Vous entendez? J'allume une cigarette. Vous devinez ce qui va se passer? Allô, vous êtes toujours là? Allô? Non! Non, au secours! Henri, au secours! Henri! Pourquoi tu coupes?
poupée. Imagine-le à l'autre bout du fil se demandant si tu n'es pas en train de me torturer. Tu es diabolique. Oh, quand on a commencé, il faut savoir aller jusqu'au bout. Et s'il court tout droit à la police? Il a autre chose en tête. Je parie qu'il va rappeler Dardar. Dis donc, pour les 200 000, j'accepte. Jamais de la vie. Je vaux plus que ça. Tu es vexé? Ma vie est en jeu, il marchande. Et peut-être ne peut-il vraiment pas avoir... Penses-tu, c'est un homme d'affaires, je le connais. Il essaie d'avoir un rabais. Tiens bon jusqu'au bout, et c'est lui qui te les proposera, les 300 000. Tiens, tu vas voir. Et pour la joue, je ne peux pas lui dire que je t'ai brûlé. À son tour, il verra bien que non. Hein. Continue de lui faire peur. Allô? C'est Monsieur Champlan? Oui. Pourquoi avez-vous coupé? Qu'avez-vous fait à ma femme? J'ai raccroché parce que nous n'avions plus rien à nous dire. Et qu'est-ce que vous lui avez fait? Dites! Qu'est-ce que vous lui avez fait? Répondez à votre mari, madame. Je n'ai rien, Henri. Tu n'as rien? Dieu soit loué. Mais j'ai eu peur. Oh, j'ai encore très peur. Je t'en supplie, il faut lui apporter les 300 000 francs, sinon il le fera. Il a juré qu'il le fera. Il le fera pas. Cela ne tient qu'à vous, monsieur Champlan. Vous m'avez promis de ne pas lui faire de mal. Mais qui a rompu nos accords? Moi ou vous? Respectez vos engagements, je respecterai les miens. C'est entendu. Je vous apporte les 300 000. Quand? Je prends la route tout de suite. Moi, vous perdrez de temps, mieux ça vaudra. Et inutile de vous arrêter pour téléphoner. Écoutez, je voulais encore vous dire. Raccroche. Cette fois, le poisson est ferré. Tu as vu? Pour les 300 000, j'avais raison. Tu as toujours raison, ma chérie. Je vais allumer une cigarette. Pour le plaisir, celle-là. Qu'est-ce qu'il fait, bon Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Les encombrements, peut-être. Oh, les encombrements, tu n'y crois pas toi-même. Il faut une heure pour venir. Une heure et demie avec de gros embouteillages. Et il y a plus de 2h30 qu'il aurait dû quitter Paris. 2h40, exactement. Bon, ce retard ne me dit rien qui vaille. Il n'avait peut-être pas les 300 000 francs sous la main. Et tout à l'heure, tu étais convaincu du contraire. Il me l'aurait dit. Il m'aurait demandé de prendre patience. Non. Là-dessous, je pressens une entourloupette. Il a peut-être eu un contretemps. Si on le rappelait. Où ça? À la maison, il nous a appelé de son bureau à la maison. Et si tu tombes sur sa secrétaire? Il lui a donné congé pour l'après-midi. On décroche. C'est toi qui réponds. Puis j'ai même plus de cigarettes. Tu veux les miennes? Mais qu'est-ce que tu veux que je foute de cigarettes blondes? Oh, tu t'énerves. On s'énerverait à moi, non? Alors? Quand ça répond pas? Non. Et s'il était en retard parce qu'il est allé acheter un pistolet? Lui, un pistolet? Mais pourquoi pas? Il y a des cas où les moutons deviennent enragés. Et s'il revient avec une arme dans la poche, ça risque de compliquer les choses. Il n'oserait pas s'en servir. Et suppose qu'il ose? À cause de moi, il n'osera pas. Et suppose qu'il ose quand même? Je vais pas tirer le premier, je tiens pas à le tuer, moi. Je n'ai rien d'un assassin. Tu sais ce que j'ai envie de faire? Quoi donc? J'ai une envie folle de foutre le camp. Mais qu'est-ce qui te prend? Il me prend que j'ai la frousse. Et les 300 000 francs? Et la belle vie en Espagne tous les deux? Oui, et la cour d'assises? Et la prison? Oh, tu vas toujours chercher le pire! C'est cette attente qui... Oh, tais-toi. Quoi? Écoute, une voiture. La voilà. Ma barbe, vite! Tes lunettes! Jette un coup d'œil par la fenêtre. Discrètement. Mais déjà sombre. Est-ce qu'il a une clé? Jacques! Quoi? Les gendarmes. Bon Dieu. Viens voir, il y en a déjà sous le verrou. Oh, le salaud. Oh, le salaud, il a fini par les avertir. Fils par le jardin, vite. Par où? Par le jardin? Il donne sur le bois. La nuit tombe, on ne te verra pas. Et toi? Je leur dirai que tu t'es échappé. Dans le bois, je tourne à droite ou à gauche? À gauche. Vite, dépêche-toi. Non, ça n'est pas possible.
Ça n'est pas possible. Par le jardin ou par n'importe où, il doit avoir mobilisé toute la gendarmerie. S'il y en a par devant, il y en a aussi par derrière. Ne bouge pas, ne bouge pas. Pourtant, si je leur disais que tu es parti... Ne bouge pas, je te dis. Tu trouves normal qu'il sonne? Mais ça prouve bien qu'il y en a d'autres derrière. C'est une tactique. Si je prends peur et que je me sauve par le jardin, ils me cueillent comme une fleur. Tant que je reste ici avec toi, ils n'oseront pas forcer la porte. Mais il doit bien y avoir une solution. Non, il n'y en a pas. On est fait comme des rats. Comme des rats. Regarde. Recule-toi, ne te montre pas. Le gendarme retourne à la voiture. Oh, ils s'en vont. Ne chante pas victoire. Ils vont aller se poster un peu plus loin. Ils sont pas pressés. Enfin, ça nous laisse toujours un peu de temps devant nous. Avant d'entreprendre quoi que ce soit, ils vont attendre. Mais attendre quoi ? Attendre que je m'impatiente, que je m'énerve, que je me décourage, que je me rende à ce que je sais, moi. Que je commette une imprudence. Mais moi, qu'est-ce que je deviens là-dedans ? Toi, ma pauvre fille, tu es la cinquième roue de la charrette pour tout le monde, y compris ton mari. Hein ? Ton cher Henri, tu l'as vu ? Entre le fric et toi, il n'a pas hésité. Non, ça, je le flairais, le coup fourré depuis le début. Depuis le début, j'avais le pressentiment que ça tournerait mal. Mais tu étais bien d'accord avec moi, pourtant ! Madame était si sûre de son pouvoir. S'il ne m'aimait pas au point de me sacrifier 300 000 francs, je m'en serais rendu compte. Et bien maintenant, tu t'en rends compte, hein ? Il préfère le fric. Et t'as raison. Assieds-toi, on a tout notre temps. Qu'est-ce qu'on va faire ? Tais-toi, je réfléchis. Et y a-t-il un endroit où je pourrais me cacher? Ici, dans la maison? Oui, un endroit où on ne risque pas de me découvrir au premier coup d'œil. Il y a le grenier. Il est plein de mal et de vieux meubles. Personne n'y met jamais les pieds. Bon. Toi, en revanche, on te trouve dans ta chambre, ligoté et bâillonné. On te délivre. Tu racontes que le retard de ton mari m'a flanqué la frousse et que j'étais déjà parti lorsque les gendarmes ont sonné pour la première fois. Tout le monde sera persuadé que je suis loin. Mais quand en iras-tu ? Vous rentrez ce soir même à Paris. Je profite de la nuit pour filer. Toi, tu n'as pas l'air convaincu. Adieu les 30 millions. Non, il s'agit bien des millions. Allez, viens, montre-moi le grenier. On y monte par l'échelle de menuis au fond du vestibule. Tu y trouveras certainement des cordes. Attends. On a glissé une lettre sous la porte. Gendarmerie nationale. Vous êtes gendarme. Elle n'est pas cachetée. Ah ben ça alors. Qu'est-ce qu'il dit ? Ton mari a eu un accident de voiture. Il ne précise pas. Il conseille de te mettre en rapport avec l'hôpital d'Arpajon. Il donne le numéro. Alors c'est ça qu'il venait m'annoncer. Apparemment, oui. Pourquoi apparemment ? Je me demande si... Je vais téléphoner à l'hôpital. Qu'est-ce que tu vas leur dire ? Eh bien, un journal régional qui paraît dans le coin. Oui, l'écho de l'Essonne. Attends. Un journaliste, ils ne raconteront pas de bobards. Tu pensais à une ruse. Hôpital d'Arpajon, j'écoute. Alors, ici l'écho de l'Essonne. Je vous téléphone au sujet de l'accident de voiture de cet après-midi. Vous êtes au courant ? Oui, très bien. Bien, je ne retrouve plus le nom de la victime dans mes notes. Si vous étiez gentil... C'est lui qu'il soit blessé. Tais-toi donc. Il s'agit d'un nommé Champlan. Henri Champlan, comme ça se prononce. Pourvu qu'il n'ait pas parlé. Dans quel état est-il ? Oh, pas joli à voir. On a utilisé le chalumeau pour retirer le corps des débris de la voiture. Le corps ? Vous voulez dire qu'il est mort ? Tu es sur le coup. Il paraît qu'il roulait comme un fou. Vous voulez que je vous passe l'interne ? Non, merci, non. Merci, mademoiselle.
Il ne parlera plus. Il roulait comme un fou. C'est un peu notre faute. Ne dis pas ça. Des accidents, il en arrive tous les jours. Je suis veuve, Jacques. Veuve. Tu comprends ça? Veuve. Henri avait fait un testament. J'hérite de tout. Alors, les snacks, tout le reste? C'est à moi. À nous, mon chéri. Plus besoin de te cacher. Personne ne saura jamais rien. Attends, attends, j'y pense tout à coup. Les 300 000 francs, ils étaient dans la voiture? Si on me pose des questions, je joue l'ignorance. Henri traitait des affaires. Tu vas aller à Arpajon. Hein? Le plus tôt sera le mieux. Téléphone à un taxi. Tu reviendras avec ma voiture. Je t'attendrai ici. Épuisée. Il a fallu reconnaître le corps, c'était affreux. Ah oui, assieds-toi. Tiens, donne-moi cette valise. Elle est intacte. Ils n'ont fait aucune difficulté pour me la remettre. Ils ignorent ce qu'il y a dedans. Tu l'as ouverte? J'ai pas eu le temps. Tu as les clés? Dans mon sac. Tiens, fouille. Ah, et voilà. Dieu que c'est beau. Tant de fric dans si peu de place. Et ça n'est que le commencement. Moi, j'y croyais plus. 300 000 francs. Et c'est à nous. À nous. Tout est à nous maintenant. À nous deux. Dès demain, je parlerai à Annie. Annie? La secrétaire d'Henri. Elle est au courant de ses affaires autant que lui. Et moi, je pourrais aller te voir? Pourquoi pas? Tu es un ami. Je te reçois. Bon. Alors prépare-toi. Je te ramène à Paris et demain je te fais une visite de condoléances. Dis donc, drôlement chic chez toi. Quand je compare avec ma chambre du sixième... Oh, pas si fort. Quoi, tu n'es pas seule? Annie est dans le bureau, elle expédie les affaires courantes. Ah. Comment as-tu dormi? Plutôt mal. Oui, ben moi aussi. De sentir les 300 000 francs sous mon lit, ça me donnait le vertige. Où sont-ils maintenant? J'ai loué un coffre dans une banque, ils sont à l'abri. Et... sur cela, tu ne paieras pas de droit. Oh, ça doit être Annie. Entrez. Je vous demande pardon, madame. Je vous en prie, entrez. Mon cher Jacques, je vous présente Annie, la secrétaire de notre pauvre Henri. Ah, monsieur Champlan m'avait beaucoup parlé de vous, mademoiselle. Il avait mis en elle toute sa confiance. Elle était réciproque, madame. Je sais, je sais. Vous aviez quelque chose à me dire? Quelque chose à vous montrer, plutôt. Mais ça peut attendre. Attends, je vais me retirer. Mais non, mais non. Vous êtes un ami, je n'ai pas de secret pour vous. Montrez-nous ça, Annie. C'est dans le bureau. Eh bien, allons-y. Je vous en prie. Alors, de quoi s'agit-il? Du magnétophone. Monsieur avait l'habitude de dicter du courrier le soir pour que je le tape le lendemain. Quelquefois, il me laissait des ordres. Oui, et alors? Je viens d'entendre la bande. Il y a un curieux enregistrement. Quelle sorte d'enregistrement? Écoutez. Conversation téléphonique enregistrée le 18 septembre à 16h. C'était hier après-midi, juste avant son accident. «
Allô? Ici Champlain. Je vous entends. D'où m'appelez-vous? De chez moi. Vous êtes seul? Tout seul dans mon bureau. Passez-moi ma femme. Ne quittez pas. Allô, tu as l'argent? Comment vas-tu? Un peu las, je trouve le temps long. C'est bien la voix de Monsieur Champlain. Et celle de madame aussi. Quant à l'autre... C'est fort regrettable. Fort regrettable pour madame Champlain. Je pourrais éventuellement atteindre 200 000 francs. N'est-ce pas là votre voix, monsieur? Moi? Quelle idée! Pourquoi ma voix? Écoutez encore. Je ne peux pas faire mieux. Écoutez, monsieur Champlain, vous entendez? J'allume une cigarette. Vous devinez ce qui va se passer? Allô? Allô? Vous êtes toujours là? Allô? Non! Non, au secours! Henri, au secours! Henri! Henri! Ça suffit. Vous ne voulez pas entendre la suite? Il y en a encore long. Vous l'avez écouté jusqu'au bout? Naturellement. Mais vous en déduisez? Oh, je ne comprends pas très bien, je trouve cela étrange. Étrange? Quel grand mot, mon Dieu. Tout cela est sans intérêt. Ce n'est pas mon avis. C'est le mien. Vous allez me donner cette bande. Je regrette, je ne peux pas. Vous ne pouvez pas me donner ce qui m'appartient? Voyons, voyons, mademoiselle... Après ce qui est arrivé à notre ami, vous n'allez pas compliquer les choses pour un enregistrement sans importance. Précisément, monsieur. Après ce qui est arrivé à monsieur Champlain, tout a d'importance. Et comment pouvez-vous juger? Moi, je me garderai bien de juger. C'est la police qui jugera. Bon, vous avez l'intention de confier cet enregistrement à la police? Pas celui-là, monsieur. Celui-là n'est qu'une copie. L'original est déposé dans le coffre de ma banque depuis ce matin. Et vous avez attendu cet après-midi? Oh, j'ai longtemps réfléchi. Avant d'entreprendre quoi que ce soit, je tenais à avoir votre avis. Mon avis, vous le connaissez. Comprenez-moi, madame, je suis prise entre deux feux. D'une part, je ne voudrais pas vous créer d'ennui. Je n'ai aucun ennui à craindre. Alors, parfait. Je remets la bande à la police et je suis en paix avec ma conscience. Non, permettez. Cette conversation téléphonique n'a aucun rapport avec l'accident de monsieur Champlain. Vous en convenez? Il y a eu de nombreux témoins. C'est un accident de la route. Convenez-en. J'en conviens. Alors, si pour des raisons d'ordre... disons, d'ordre privé, on vous priait d'effacer cette bande et de n'en parler à personne. Vous rendriez à madame Champlain un service, un très grand service. Je ne demande pas mieux. Je suis sûr que madame Champlain saurait le reconnaître. N'est-ce pas, Hélène? Annie n'ignore pas en quelle estime je la tiens. Je le sais, madame. D'ailleurs, dernièrement encore, mon pauvre Henri m'avait fait part de l'intention qu'il avait de récompenser votre dévouement. Mais alors parlons-en tout de suite. Oui, c'est ça, parlons-en. Vous êtes trop bonne, madame. Ce n'est pas moi qu'il faut remercier. C'est lui qui peut-être regarde de là-haut. Que diriez-vous de... Ah, ben, aidez-moi, Jacques. C'est-à-dire, c'est plutôt mademoiselle qui pourrait vous aider. Voyons, mademoiselle, avec vous, monsieur Champlain, n'avait-il jamais fait allusion à disons, cette prime qu'il désirait vous octroyer? Aborder un tel sujet aujourd'hui? Je suis très gênée, je ne voudrais pas abuser. Mais non. Puisque vous insistez, je me contenterai de 50 000 francs. Oh, c'est trop modeste. De francs lourds, bien entendu. Vous trouvez que c'est trop? Il me semble, en effet. À moi, il ne me semble pas. J'en suis sûre. Oh, pardonnez-moi. J'ai exagéré. Oh, si, je le sens. Je suis confuse, je ne sais comment m'excuser. Peut-être que la moitié... Non, monsieur, il ne saurait en être question. Je préférerais ne plus parler de tout cela. Ah, mais parlons-en, au contraire. Je vous assure, madame, ce n'est pas la peine. Moins de 50 000 francs, ce n'est pas la peine. Mais on peut discuter. Madame, discuter en de telles circonstances... Je me mêle peut-être de ce qui ne me regarde pas, mais... Mademoiselle n'a peut-être pas tout à fait tort. Pas tort d'exiger une pareille somme? Je n'exige plus rien, madame.
Je vous demande la permission de me retirer. Non, mademoiselle. Et rappelle-la, bon Dieu. Annie, ne partez pas. Oui, madame. Madame Champlon est désolée de ce malentendu. Elle ne voulait certainement pas vous blesser, n'est-ce pas, Hélène? Oui, je suis navrée. Et ce sont ces histoires d'anciens et de nouveaux francs qui contribuent souvent à embrouiller les choses. Vous avez bien dit 50 000, c'est-à-dire 5 millions d'anciens francs. C'est ce que je m'étais permis de suggérer. Eh bien, alors tout va pour le mieux. Le malentendu est dissipé. C'est bien cette somme que vous aviez prévue, cher ami. Tout à fait. Comme vous venez de le dire, ce sont ces nouveaux francs, les 50 000 francs sont à votre disposition, Annie. Je vous remercie beaucoup, madame. Voilà. Madame Champlon vous remercie également de votre compréhension au sujet de cet enregistrement. Elle vous sait gré d'avoir compris qu'il valait mieux effacer tout ça. C'est la moindre des choses. Quand me rapporterez-vous la bande originale? Le temps d'aller à ma banque et de revenir. Bravo. Comme c'est aussi votre banque, madame, j'en profiterai pour toucher le chèque au porteur que vous allez me remettre. Ah, au moins vous ne perdez pas de temps. Mais pourquoi attendre? Il faut battre le fer quand il est chaud. Vous avez sans doute raison. Je vais chercher mon chéquier. Je reviens tout de suite. Et voilà comment, ma petite Annie, grâce à un enregistrement imprévu, on ajoute 50 000 francs aux 300 000 qu'on a déjà. Oh, tu es formidable, mon chéri. Oui, je sais. Oh, j'avais hâte que ce soit fini. Il ne nous reste plus qu'une chose à faire. Une seule. Et d'importance. Oh, encore une? Choisir le pays d'Amérique du Sud où nous irons nous installer, toi et moi. Pierre Billard vous a présenté ce soir L'autre bout du fil, un film radiophonique de Louis C. Thomas, avec Jean-Claude Michel, Nelly Benedetti, André Var, Marie-Jeanne Gardien et Evelyne Selena. Prise de son, Sam Niezwiski. Collaboration technique, Marie-Françoise Méa. Bruitage, Jean-Jacques Noël. Assistante, Suzanne David. Réalisation, Pierre Billard.